En trois décennies de renouveau démocratique enclenché au lendemain de la conférence nationale des forces vives de la nation de février 1990, c'est la septième fois consécutive que le peuple béninois s'acquittera de ce devoir citoyen et capital. Comme à l'accoutumée, les institutions en charge de l'organisation des élections au Bénin s'affairent pour la tenue de ce scrutin présidentiel. C'est dans ce contexte préélectoral où l'ensemble des Béninois et la communauté internationale œuvrent pour une élection paisible et apaisée que certains de nos concitoyens lancent des appels à peine voilés à la violence et à l'insurrection populaire. Depuis quelques jours, en effet, nous observons de tels agissements ou actions qui participent à fragiliser la paix, la concorde et la cohésion nationale. Ils sont l'œuvre d'individus et de groupes qui s'écartent délibérément des lois et règles en vigueur en République du Bénin. Le parti, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin, condamne avec fermeté ces vils agissements et initiatives tendant à mettre à mal le bon fonctionnement des institutions de la République, à perturber la paix nationale chèrement entretenue et à compromettre les efforts de redressement socio-économique de notre pays. Moi, le Bénin recommande aux uns et aux autres la stricte observance des règles qui régissent la République et à renoncer à tout acte de déstabilisation de l'ordre public. Moi, le Bénin invite les autorités nationales compétentes à prendre leurs responsabilités afin de mettre, sans délai, un terme à ces velléités nuisibles à la nation béninoise. Il en appelle à la vigilance des populations béninoises et à la clairvoyance des corps constitués de la nation et en particulier à nos forces de défense et de sécurité, afin qu'ils fassent échec à toute tentative de déstabilisation de notre cher et beau pays, le Bénin, et ce d'où qu'elle vienne.